Si les directions des grands magasins parisiens restent muettes sur la question, une chose est sûre, les mesures de sécurité ont été renforcées dès ce matin devant les entrées et dans les rayons. Depuis la découverte hier d'explosifs dans ce magasin du printemps, le nombre d'agents de sécurité a été multiplié et la fouille est désormais obligatoire. La clientèle se montre très compréhensive. On a fouillé mon sac, ce qui est tout à fait normal. Bon, ils regardent et voilà. Je trouve que c'est tout à fait normal. Il y a eu des incidents hier, donc voilà, c'est pour la sécurité de tous. Ça vous rassure ? Pas vraiment, parce que je pense que si on veut mettre une bombe, tout le monde peut y arriver. Et puis il y a ceux qui, de toute façon, ne peuvent pas faire autrement. On est obligé de venir parce qu'on travaille ici. Donc pas le choix ? Pas le choix. Vous avez peur ? Bon, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Depuis début novembre, les grands magasins ont bien résisté à la crise économique. Le mois dernier, ils ont même vu leurs ventes augmenter de 4% par rapport à novembre 2007. Reste à savoir si les événements d'hier vont inverser ou pas la tendance. Ces derniers jours, l'affluence dans les magasins était en train de reprendre. La vraie question est de savoir est-ce que tout ça ne va pas marquer un coup d'arrêt à cette petite reprise apparente de l'activité commerciale, parce qu'on sait bien que la réussite des fêtes de Noël pour les commerçants se joue sur les tout derniers jours. Donc là, ça ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment. Espérons que les Français sauront garder leur sang-froid et continuer de consommer. C'est presque devenu un acte civique par les temps qui courent. C'est vraiment ce week-end que l'on pourra mesurer à plus grande échelle les conséquences de la découverte hier des explosifs sur les ventes des grands magasins. L'enquête avance assez vite. Ce sont